mais surtout voilà quoi, de pouvoir les surveiller. Alors pour moi la priorité, je l'ai dit, hein, c'est l'infirmerie qui est en train d'être construite. J'ai pas fait l'entrée? Ah, j'ai eu des évasions, j'ai pas vu. Bah oui, j'ai des évasions, attendez, je pense savoir pourquoi j'ai des évasions. Bah non, j'ai mis le... Les mecs. Bon, bah j'ai eu des évasions, oh, on s'en fiche. C'est pas grave. C'est pas grave. Ouverte. Ok, et donc là on va voir. Ah oui, c'est 500 la porte d'isolement quand même. Bon, on va en mettre une, hop, comme ça. Et là, déjà, isolement. Voilà. Comme ça, tranquille. Alors, et on va... Alors, ça, c'est l'infirmerie... non, ça, donc, l'infirmerie sera là. Mais ils s'évadent les mecs. Ah, réparer la porte de prison les mecs. Bah ouais, attendez, et en même temps, hop. Ça va être sympa les mecs, mais voilà, fonctionnement normal. Par les admissions. Normal. Je manque de gardien. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes, donc il va falloir que je prenne des prisonniers. Sauf que je peux reprendre une subvention. Je peux reprendre une subvention. On va prendre celle-là, qui me permet d'avoir 20 000 directs. Ouais, et on va commencer déjà à créer les cellules. Donc, on va créer nos cellules pour 20 000. On va voir un peu combien on peut faire pour 20 000. 1, 2, 3, 4. Non. 4. Ok. Voilà, là. Alors, 13. Et, ouais, allez, on va pour le moment garder la taille, la fameuse taille de 37. Voilà, qu'on avait déjà eu pendant le tutoriel. Même si à terme, on pourra l'agrandir. Je sais plus combien j'avais sur la prison en alpha. J'avais mis des bâtiments comme ça en...
Et donc là, on va quand même, c'est quand même avoir quelques cellules. Bon. Allez. Donc, ça avance un petit peu quand même notre prison. Pourquoi ça avance pas là-bas par contre? Apparemment, il manque un truc là. Voilà. Je vais juste créer une... Enfin, mettre une porte de personnel ici pour qu'ils aillent un peu plus vite les mecs parce que là ils sont en train de faire tout le tour. C'est pas qu'ils sont en train de galérer mais presque quoi. Mode constamment ouverte pour le moment. Quoi? Entouré de porte? Bah. D'accord, on n'a pas encore mis la porte de... J'ai l'impression que j'ai pas assez d'ouvriers, hein. Allez, on va en acheter deux. Enfin, on va en demander deux de plus. Ou alors ils sont tous crevés, en fait. Ouais, ils sont crevés. C'est ça le problème, c'est qu'ils sont crevés, les mecs. Donc on va créer la salle de repos tout de suite et on prendra la mission plus tard. De la salle de repos. On a l'argent pour... Mais j'aimerais quand même qu'on ait... J'aimerais quand même qu'on puisse caser nos prisonniers, quoi. Ouais, mais je les caserai plus vite. Ah, le conflit, toi. Mais je les caserai plus vite avec la salle de repos, en fait. Donc, allez, hop, brique. On va faire ça comme ça. Ah oui non en fait ils sont tous en train de couper du bois aussi. Ah ouais donc évidemment. Bon. Objet, vendre objet. Mais quel con. Non? C'était ça, c'était bon? Ouais, bon. Ouais c'est ça, c'est des bûches de bois que je suis en train de vendre. De toute façon, je peux pas vendre autre chose que des bûches de bois, hein, il me semble, hein, de mémoire. Si, en fait, les trucs qui sont créés dans notre atelier, quoi. Ce genre de choses, je peux les vendre. Mais sinon, sinon, je peux pas vendre grand-chose. L'électricité va commencer à manquer également. Je crée les cellules. Et... Ouais, de toute façon, elles sont créées. Donc... juste pour les cellules. Donc c'est des murs en béton. Donc il me faut non, pas comme ça. Voilà. Il me faut cette forme-là, c'est ça, ça fait du 6. C'est ça fait du 6. Hop. En fait, c'est pas compliqué, je vais créer... Ah oui, mais non, de toute façon, je peux pas parce que j'ai pas débloqué le... alors, est-ce que je peux débloquer rapidement? Dupliquer. Oui, il me faut le contremaître. Donc, il me faut un bureau supplémentaire. Donc, il me faut deux bureaux supplémentaires. Un pour la sécurité, un pour... D'accord, bon, on va les créer rapidement. On va créer ces deux bureaux rapidement. Ok, ici on va avoir la salle de repos. Voilà, avec en guise d'objet.
petit canapé. Et les distributeurs de boissons. Bon, un distributeur de boissons. Voilà. J'ai également apparemment 18 familles qui sont en attente d'avoir un parloir. Donc ça, c'est encore autre chose. Alors, ici, on va avoir notre infirmerie. En partie notre infirmerie. Parce que dans le coin ici, je pense. Allez, hop, dans le coin ici. Je peux certainement mettre un bureau. Alors ça va être un petit peu. On va le mettre là comme ça. Alors ici, on va mettre pouvoir mettre. Donc ici, on va mettre un bureau. Voilà. Avec des chaises. Une chaise ici. Deux chaises ici. Et on va mettre le classeur carrément ici. Voilà. Hop, comme ça, ici, le psychologue aura son petit bureau. Il me faut juste 1000 pour pouvoir le mettre. Obligé. Donc ici, même topo. On va avoir deux bureaux. Deux chaises. Et deux classeurs. Voilà. Et ce sera donc des bureaux. Où les bureaux. Au niveau service. Y a pas de raison pour qu'il soit dans le noir également. Normalement, c'est suffisant. Ok, donc j'ai le bureau. Donc, les médecins, ça viendra après. Les objets. Là, les objets, j'ai des lits médicalisés qui me coûtent trop cher. Il va falloir que je prenne des prisonniers, j'ai pas trop le choix. Non, il va falloir que je me décide à faire les cellules. J'ai même plus de sous pour des chiottes quoi. Bon, vendre objet. Voilà, hop, c'est ça que je voulais. Hop. Vous me vendez ça. Voilà, 3000, c'est nickel. C'est exactement ce qu'il me faut pour que je puisse aller hop dans l'administration. Ah, il faut que j'engage un contremaître. Donc engager le contremaître.
qu'il me fait lui? Eh, non, 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 non. Non, tu vas pas prendre le bureau du psy. Non, non, je suis désolé, non. Oh purée, il va prendre le bureau du psy, mais quel connard! Oh non, mais j'y crois pas! Ça c'est une connerie, ça. On peut pas attribuer les bureaux à qui on veut. Mais non, mais ça ressemble à rien là. Faut arrêter, ça ressemble à rien. Le contremaître à l'infirmerie, tu vas pas me dire que c'est du bon sens. Bon. Ah non mais je te jure. Bah, tu sais quoi? Si je te vire. Bah non, si je te vire, je vais pas gagner des sous. Mais sérieux, à quoi ça ressemble, s'il te plaît? C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais la connerie, quoi. Si, je sais comment faire. En attendant, il va me trouver quand même la duplication. C'est qu'après j'ai supprimé ce bureau. Je vais simplement le supprimer puis le refaire. Donc dès qu'il a terminé sa recherche, je virerai son bureau. Il y a des évasions. Je sais pas par où il est parti par contre le mec, mais bon. Alors. Ouais, on a plus que 10 prisonniers, attendez. C'est bon, 10 prisonniers, on va refaire les admissions quand même. Allez, hop, 72 prisonniers. Rien à foutre, ils vont s'entretuer. Voilà, tout ça, mais bon. Ah oui, alors, avant, il va falloir que je fasse quelque chose au niveau des objets. Il va falloir que je démonte. Ah bah non, ils ont déjà été démontés, il y a des murs. Donc, dupliquer. Donc ça, en effet. Alors, il faut que je... Oui, d'accord, tous les 600. Donc il n'y a pas, il me faut les prisonniers dans 3 heures pour pouvoir commencer à construire les cellules qu'il me manque. Ok. Après je peux engager l'infirmerie, les médecins, tout ça. Donc ce que je vais faire déjà, au premier temps. Pièce. Voilà, hein. Tu dégages. Et on créera donc le bureau du mec plus tard. Ça, alors, tout de suite, est-ce que je peux... alors, là, tout de suite, je peux pas. Mais à terme, ce que je vais construire également, c'est... Enfin, ce que je vais embaucher également, c'est le... C'est le mec de... Enfin, c'est le chef de la sécurité. Parce que là...
Ah là, c'est trop le bordel là. Bon ben. Il y avait 72. Il y a 27 hauts de sécurité dans le bordel, mais bon, ça fait rien. Je comprends pas les mecs, pourtant je suis un directeur cool moi. C'est le mec, ils ont pas de cellule individuelle, c'est le bordel, mais à part ça, ouais. Allez, hop. On va commencer à créer les cellules individuelles. Voilà, hop. Et la dernière cellule. Plus tard. Voilà, enfin, ça arrive. Démolir mur. Hop. Démonter objet. Donc là, on a ce qu'il faut. Donc il nous manque simplement les lits médicalisés. Juste en mettre deux rangées. J'agrandirai plus tard. Va y avoir donc dans le personnel, il me faut le chef de la sécurité qui va prendre ce bureau. Voilà, il va pas emmerder le monde. Et là, je vais pouvoir recréer le bureau qu'il faut. Avec un psychologue. Voilà! Enfin, c'est bien réorganisé. Et là, donc, construire infirmerie, il me manque également deux infirmières, enfin deux médecins. D'ailleurs, on va en engager un peu plus. On va engager également un peu plus de gardiens. Parce que là, ça commence à être un petit peu chaud quand même. Un peu plus de gardien. Et en ouvrier, allez, j'ai l'income, donc je peux me permettre, voilà, d'engager des ouvriers supplémentaires. Un feu s'est déclaré. Ah non, 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 ah! Non, non, j'avais désactivé ça. J'avais désactivé ça. Tu te démerdes, j'avais désactivé ça. Oh non, 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 je suis pas d'accord. Putain, non, j'avais désactivé ça. Non, non, je m'en fous, j'avais désactivé ça. Oh putain, non! J'avais désactivé les événements! Non, je trouve ça dégueulasse. Je suis désolé, je trouve ça dégueulasse. Bon, ça a été construit. C'était construit. Allez, hop.
J'ai pas signalé quelle pièce je voulais, donc c'est des cellules. Voilà, je sais pas combien j'en ai là, mais à mon avis, je dois en avoir assez pour valider le truc. Ok, alors. Bah, il va falloir que je construise. Va falloir que je refasse une cuisine alors. Ouais, non, mais je te jure. Non, 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 je suis désolé, je suis contre là. J'avais désactivé les événements, hein. D'ailleurs, je vais faire ça également maintenant que j'ai de la thune. Ouais, enfin, maintenant que j'ai de la thune, j'en ai pas des masses, mais voilà, au moins, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas prévu les. Ah, j'ai pas les. Attendez, juste, je vérifie un truc. Ouais, j'ai 22 cellules. Donc en fait, il me manque les. Ah, bah, pause. Annulez-moi ça. Ouais, bah ils ont commencé à les poser. Bon bah tant pis. Bon bah tant pis, hein, j'ai fait une bêtise. Mais au moins ça permet que le personnel, tout ça marche plus vite, quoi. Donc oh, désolé pour le coup dans le micro. Bon ben 22 prisonniers après, est-ce qu'on les prend, est-ce qu'on les prend pas? Là c'est la merde, clairement. D'accord, l'électricité aussi a pris cher. Ok, d'accord, ok, pas de soucis, pas de soucis. J'en suis où au niveau? Alors, j'ai résolu le truc de l'infirmerie. Alors, on va couper l'arrivée de prisonniers. On va couper l'arrivée des prisonniers et on va prendre une nouvelle subvention. L'entretien de la prison, ça va pas être compliqué. Allez, hop. Entretien de la prison. Entretien de la prison. Donc il faut que je. Donc dans l'administration, entretien intérieur-extérieur. Hop, hop. Ça, pas de souci. Ok. Ensuite, deux concierges, un jardinier. D'accord, une fois que c'est débloqué. Donc ça va être rapide. Et ça va me permettre de gagner un petit peu d'argent. Alors, il y a ça. Et donc résultat, je peux commencer à acheter les portes de prison qui manquent. J'ai oublié de mettre simplement les cellules. Ah bah je suis con, j'ai pas. Si, elles sont posées, ouais. Qu'est-ce qu'il y a pas avec ce. Ouais, la porte est juste pas posée, mais sinon. Ok, voilà. Donc ça, le bloc de cellules, c'est bon.
J'ai déjà 21 prisonniers qui vont pouvoir être logés, enfin qui vont pouvoir être logés. Je vais tirer l'électricité. La flotte et tout ce qui va avec. Voilà, donc il y a également les portes. Ouais, on va également améliorer un peu l'isolement. Ok. Et donc, pièce, isolement. Que là pour le moment 4 d'isolement pas terrible. Alors pareil, ce que j'aimerais développer c'est au niveau de la sécurité, c'est le déploiement, les renseignements, les patrouilles, le règlement intérieur. Le travail carcéral. Les emprunts bancaires, les subventions, l'expansion. La micro-gestion. Voilà, là il y a deux. Hein. Voilà, je veux dire, ça se développe quoi. Ok, alors l'entretien, déverrouiller l'entretien. J'en suis où ça? 4 heures, ok, très bien. Ok, très bien, très bien. Donc, ce que je vais faire pour éviter d'avoir de nouveau le problème, c'est que je mets des sprinklers un peu partout également. Et donc ici, notamment. Parce que c'est là qu'il y a eu l'incendie. Mais ça je suis désolé, je suis dégueulasse. J'ai décoché la case pour le. J'avais décoché la case quoi. Donc non, hein, je suis désolé, je suis pas d'accord. Ça veut dire que donc les incendies sont. On peut pas les désactiver. Et c'est le truc le plus chiant. Oh putain, j'avais pas vu. Bah quoi? Ils sont bien. Ah oui, ils sont pas alimentés. Je suis con. C'est pour ça aussi que la tension monte dans le. Ok. Donc ça, ok. Au niveau de la flotte, ça a l'air d'être passé. L'entretien d'administration est toujours en cours. Et il va falloir que je fasse la morgue. Donc ça, la morgue. La morgue, ou est-ce que je continue à créer des cellules? Allez, je continue à créer des cellules.
pour ça. Non, du béton. Voilà. On va améliorer ça. On a encore un petit peu de sous. On va pouvoir ajouter deux cellules éventuellement. Deux ou trois cellules supplémentaires. Ouais, nickel. Hop, comme ça, ici. Cellule d'isolement en plus. Au niveau administration, règlement. On a débloqué le règlement intérieur. Donc, pareil, je vais être assez sévère. Tout le monde vira l'isolement pour des durées relativement élevées. Pour la destruction par exemple c'est 6 heures, c'est 12 heures. Tentative d'évacuation d'évasion 12 heures également. Attaque d'un détenu 6 heures. Du personnel 12 heures. Infliction de blessures graves. Alors si c'est à lui-même, ouais, donc 6 heures, non 12 heures, ouais, 12 heures. Selon prise de drogue ou d'alcool, 6 heures. Possession d'armes, 12 heures. Vol d'outils, 12 heures. Vol de médicaments. Heures. Ouais, en gros voilà. Bon, vol de médicaments, je vais réduire un peu. Je vais mettre à 6 heures. Voilà. On a le déploiement. On a le déploiement. Donc, on va pouvoir mettre des gardiens. On va voir combien il nous en manque. Ok. L'infirmerie. Ouais, on va en mettre également l'infirmerie. Et c'est là qu'on voit qu'il nous manque donc des gardiens. Enfin, suffisant. Bon, j'en ai une vingtaine, mais bah, il va m'en falloir plus. J'ai pas de prisonniers qui vont arriver, non, on est d'accord. Alors, au niveau subvention. Alors, ah oui, bah justement, j'avais besoin de tout là. Est-ce qu'il me faut deux gardiens? Deux jardiniers. Et il va falloir que je... Donc, bah, je peux reprendre une autre subvention. Bah justement, c'est ce que je voulais faire, c'était le droit de visite. Donc ça tombe bien. Et donc avec ces sous, je vais pouvoir engager mes jardiniers. Donc mon jardinier, je vais en prendre qu'un. Et les concierges. Donc ça, je vais en prendre 5. Une dizaine, je pense. Ok. Et je vais mettre, enfin, faire les droits de visite. Les droits de visite seront derrière l'admission. C'est-à-dire que les... Ouais, je vais mettre les droits de visite ici. Putain, 12, 13 évasions. Vache, les mecs. Oh, mais comment ils font, les mecs? Où ils passent les mecs? Vache! Bon, attendez, là je suis ennuyé avec ma cuisine. Ok, d'accord, j'ai compris.
En fait, il faut que je redise que c'est une cuisine. Voilà. Ça, c'est la cuisine. Pour ça qu'elle était pas opérationnelle. Ok, d'accord, ok. Bon, bah ça devrait au moins améliorer un petit peu le truc. Il me faut également mon... Donc, chaque chose en son temps. Déjà, la priorité, c'est le... Alors. Ah oui, il faut la tal... Ah oui, il faut la salle commune aussi. Ah, allez, faites chier les mecs. Donc, le parloir déjà. On va faire ça. Oh putain. J'ai pas assez de thunes. Je vais faire du 15 par 15, hein, quoi qu'il arrive. Donc, pas assez de thunes. Mais je peux reprendre, résultat, vu que j'ai validé la précédente, je peux reprendre une subvention. Sécurité de base, qu'est-ce qu'il me faut? Chef de sécurité, ok, 10 gardiens, c'est bon. Les patrouilles dans l'administration, c'est fait. Affecter 3 agents à une patrouille. Ok, bon, et ben ça, tu vois. C'est le genre de truc que j'aime bien. Parce que ça va être fait très très rapidement. Hop, je me fais une petite patrouille ici. Même qui s'arrête un petit peu avant. Et j'y affecte 3 gardiens. 1, 2, 3. Voilà, hop, réglé. Avec trop de gardiens à la patrouille. Ouais, c'est parce que je manque de gardiens, mais... Si j'en mets... Voilà, j'en mets 30, c'est réglé. C'est réglé, j'ai 17 000 et je peux faire mon parloir. Et si je manque d'argent, je peux encore accepter une subvention. Donc ça, c'est cool. Voilà, voilà, voilà. 15 par 15. C'est la subvention, hop. Et donc là, je vais pouvoir faire éventuellement, hop, comme ceci. Voilà, et donc ici, à terme, supprimer le mur. Et ben en fait, même pas, hop, je fais ça. Voilà, donc ça va être le parloir. Donc je définis tout de suite que ça va être le parloir. Hop. Et les objets dans le parloir, c'est l'étape de visite. Voilà, nickel. Ok, donc ça c'est bon. Et on va juste étendre un petit peu ça pour aller jusqu'au bout. Voilà, on a notre parloir, ça c'est cool. Donc la parloir après c'est la salle commune. La salle commune, vous savez quoi, on va la faire derrière. On va la faire derrière ici, derrière la cellule d'attente commune. Ça pourrait être une bonne idée, non? Ah, peut-être pas, remarque. Ouais, si, on va la mettre là quand même. Si, on va la mettre là. Allez. Comme ça, même les autres prisonniers, ils vont devoir retraverser ce truc-là. Ouais, voilà quoi. Bon. Ouais, non, si, allez, je trouve ça cool. Enfin, je sais pas, je trouve que l'idée n'est pas si mauvaise que ça. Allez, hop. 1, 2, 3. Quoi, plus de... T'es sérieux? T'es sérieux?
Mais va te faire foutre! Mais va bien te faire enculer! Non mais je te jure. Ouais bah les mecs, c'est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Ah non mais c'est pas possible ça. Bon. Ce qui veut dire, peut-être relativement simple. Si j'ai plus de thunes. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tape. Oh putain, les câbles ont été endommagés. Eh, non, c'est la merde ce truc, c'est la merde ce truc, sérieux. Bon, ce qui veut dire également qu'il faut que je mette un sprinkler là-dedans. Donc que je fasse une taille en moins pour un... Pour un suffisant, bien sûr, pour changer. Bah oui, et donc j'ai plus d'eau non plus, parce que l'électricité sans eau... Enfin, j'ai pas d'électricité sans eau. Ah la merde! Et en fait j'ai une riotte ici en fait, et personne ne me prévient en fait. J'ai plus de thunes. J'ai plus de thunes et ça fout la merde. Donc, subvention. Alors, subvention, subvention, subvention. Niveau de sécurité gouvernementale, non. Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Maître chien et garde armée. Oh non, c'est chiant. C'est long. Intégration à l'aménagement. Trois prisonniers à la buanderie, trois prisonniers. Salle de nettoyage. Ouais, peut être faisable. Ça c'est mort. Bien-être du personnel. Hop, ça, c'est fait. Quoi, qu'est-ce qui manque? 5 gardiens sans tâche assignée. Bon, bon bah, va falloir que je recrute du monde. Ouais, donc je me suis mis un truc sur les bras et en fait, ben...
Sans tâche assignée. Mais il faut toujours quelque chose. Ça fait rien. Alors je vais faire un truc que normalement je ne suis pas, enfin j'aime pas faire. C'est que je demandais un emprunt. Voilà, j'ai demandé un emprunt. Et déjà et je vais, ouais, je mets la priorité à ce que à mes missions, c'est-à-dire que putain, d'accord, ma mission vient d'être acceptée entre deux quoi. Allez, hop. Donc j'ai de la thune, merci, désolé pour l'emprunt. Alors, la salle commune. La salle commune que je vais faire ici. En briques. 4. Hop. C'est du 21. Et je vais faire du. Ouais, je vais faire du 21 par. Du 21 par. Ouais, je vais faire une petite salle commune, allez, et puis ça va s'aligner avec ça. C'est cool. Hop. Comme ceci. Et là, comme cela, voilà. Ok, donc ça c'est bon. Donc ça je vais normalement ouverte. Voilà. Alors, on va juste rajouter les objets qu'il nous faut. Alors, juste déjà définir que c'est la salle commune. Il nous faut dans les objets. Il nous faut un billard et deux télévisions. Le billard, une télé, deux télé et des chaises, ma chaise bêtement pour les réunions d'alcooliques anonymes que je vais organiser après. Voilà. Comme ça, la salle commune, c'est fait. Et normalement, voilà. Mes subventions ont été validées. Donc, là, actuellement, si je regarde mes subventions, donc j'ai le bloc de cellule B, il faut que je monte à 50, c'est faisable. Donc déjà, je vais prendre ça. Non, je vais pas prendre ça. Je vais prendre l'investissement à court terme. Parce que ça se fait tout seul. Et je vais donc quoi? Ah oui, quoi? J'ai plus d'eau? Non, alors attendez. Alors, tant que j'ai de la thune, c'est ce que je vais faire. Ouais, ok, c'est parce qu'il manque un. Il manque ça ici. Est-ce que je vais faire c'est des condos? Condos et vous ouvert. Alors, et je vais rajouter donc un tuyau ici qui vient jusque là. Et ici, je vais mettre un sprinkler.
Logique. Le truc d'eau, il est où? Le truc, là, c'est ça, le gicleur. Ouais, ça s'appelle un gicleur en français. Ok. Nickel. Et je suppose que je peux pas mettre un... Si, je peux mettre par-dessus. Ok, très bien. Bon, bah très bien. Alors, je reçois 16 000 dans 1 heure et j'ai la capacité... Ah oui, mais la capacité de 50 000, je peux pas la faire, l'avoir tout de suite. Ah, c'est dégueulasse dans ta cellule. D'accord, lui il attend pour aller à l'isolement pendant 12 heures. Bah, ah oui, il n'y a plus de place, ok d'accord. Il n'y a plus de place. Parce que là, pour le moment, l'isolement... Deux cellules qui manquent, j'ai pas le... D'accord. Bon, il manque le budget, donc il manque un petit peu de sous. Hein. Clairement... donc, il faut que j'attende. Donc je vais devoir faire un emprunt là. Là j'ai pas le choix, je vais devoir faire un emprunt. Je vais juste aller à la limite. Ouais bon voilà, donc c'est bon. Je sais que je paye 600 par cellule. Donc là je peux dupliquer. Donc cette cellule témoin qui est là, je peux la dupliquer quelques fois. Mille? Pourquoi 1 000?